voix digne et irréprochable pour que la France agisse toujours conformément à ses valeurs de fraternité et de justice. Quoi qu'il en soit, je veux dire ici notre reconnaissance à tous ces enfants d'Arménie qui sont devenus les enfants de la France. Je veux dire ici ma reconnaissance et notre reconnaissance à cette exemplaire, extraordinaire résilience et au courage de ce peuple. Ces enfants qui ont combattu, qui ont résisté à nos côtés alors que le régime nazi était en pleine expansion. Je pense bien sûr à Missak Manoukian et à ses camarades. Ces enfants qui ont reconstruit notre pays au lendemain de la guerre par leur travail, mais aussi par leur abnégation. Ces enfants écrivains, ouvriers, artistes, intellectuels, entrepreneurs, citoyens, qui nous aident au quotidien à bâtir un monde meilleur, sans rien oublier de leurs racines, de leurs origines arméniennes. Nous avons, je le crois, su entretenir des relations de proximité entre nos deux pays, nouer les liens, renforcer la profonde amitié que nous partageons.